plus drôle, plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide, de si et d'ailleurs. Ben oui, je m'entraîne à me crosser. OK, OK. C'est pour ça? Ouais. Tu m'as dit ça pas en joke avant le début. Ouais, c'est pour ça l'odeur de ma main. Ah! Ouais. C'est parce que... Puis mes gros bras. Mais tu t'es pas... Tu peux pas de Purel, mettons, des fois? Ah! On est en onde décidée! Ah! On est très contents! Ben oui, c'est le fun! Oh! Oh! Franchement! Eh boy! J'ai jamais été aussi embarrassé! Écoutez, les amis, c'est très, très rare qu'on fait ça. Mais l'émission, présentement, est pré-enregistrée, donc vous nous écoutez. Pré-enregistrée. Est pré-enregistrée, mais c'est pas grave, parce que... C'est pas grave que je me trompe, on peut le recommencer tout le temps. On fait ça toutes les... Jonathan, on pourra faire un montage après. Oui, on peut faire un montage après. On peut se tromper, les boys. On peut se tromper, les boys and girls. Je pense que Joe voulait faire ça, mais il a fait ça. Ouais, j'ai dit les boys, je disais, mais Linda est là, fait qu'on va reprendre celle-là aussi. OK, on recommence. Okay. Hey. On va juste enlever les bouts qui marchent pas, finalement, fait que l'émission va durer moins longtemps. Ouais. Ça va être meilleur. L'émission va durer 5 minutes si on enlève. Ouais, c'est juste comme... Il y a le générique. Oui, ce serait juste ça, effectivement. Ça serait juste ça. Donc, c'est prêt à enregistrer. Écoutez, bon. Fait qu'on a fait deux de suite. Fait qu'il est tard, là. C'était un peu tard, mais bon, c'est une fois n'est pas coutume, c'est parce que le studio n'était pas disponible puis on voulait pas vous laisser sans épisode. Fait qu'on l'a fait. Puis c'est aussi malheureux parce que... Hey, on a quelqu'un à haïr à cause de ça. Ah oui? C'est de la faute à Eve Côté. Non, on l'aïe pas, là. Ben non, mais elle nous empêche d'être live avec, avec notre monde. Enfin, j'ai une anecdote là-dessus. Non, mais explique pourquoi que c'est... Explique, parce que sinon, on a l'air d'être pas fin. Non, mais comme ça, va nous donner un prétexte pour la recevoir, éventuellement, pour régler nos beefs. J'aimerais ça être là, parce que j'ai fait mon secondaire 5 avec Eve Côté. C'est vrai? Ben oui! Elle est assise en avant de moi en français. Ben, ce soir, donc, ce soir de diffusion de l'épisode 31, c'est son avant-première de son spectacle... Côté Eve. Moi, je pense que c'est ça. Mais moi, là, je trouve que c'est elle qui a fait son secondaire avec toi, Guillaume. Oh! Là, ça sera on pas a ça, fait notre secondaire ensemble. Ce sera pas ça toute l'année, là. Mais bref, l'équipe... L'équipe du studio et le matériel est présentement à l'avant-première d'Eve Côté pour la captation. Fait que quand vous écouterez la captation, vous direz « Ben, c'est pour ça qu'on a eu un épisode pré-enregistré. Oh, oui. C'est intéressant. » Mais vous verrez même pas la différence parce que Jonathan va faire un montage. Fait qu'il y aura même pas d'erreur. Tout ce qu'on vient de dire là, mais c'est sûr que si on n'en parle pas pendant 10 minutes, ils verront pas tant. Non, ils verront pas tant de différence parce que... Mais dans le fond, en tout cas. Mais dans le fond. Puis je suis très content pour cet épisode-là parce que j'ai une équipe vraiment incroyable. C'est la même que d'habitude. Tout le temps, même équipe. Eh oui. On est avec moi, Linda Pizza! Woo! Linda Pizza Hello! 2023! Aïe, aïe, aïe! Moi, c'est avec toi que j'aurais voulu faire mon secondaire. Non, arrêtez, là. Ça peut pas être ça tout le temps. Fait, comment vas-tu, Linda? Ça va bien. L'année a commencé en force. Des belles nouvelles dans ma famille. Je suis contente. Sinon, la fatigue habituelle, hein? Peux-tu nous la dire? Ben, je la connais, mais pour les auditeurs, peux-tu nous la dire, la bonne nouvelle? Ah ben oui, c'est une naissance dans ma famille, une naissance de jumeaux. Donc, le double du bonheur, imaginez-vous Des petites pizzas pochettes. Ouais. Oui, les pizzas des pochettes, oui. Voilà. Ben, ça débute bien l'année, ça. Deux petits sourires de plus sur cette terre qui va exploser dans 10 ans. On est très contents. On a aussi avec nous Guillaume. Comment il va? Il va bien. Guillaume, complètement 2023 par ailleurs. Oui, parce que j'ai une nouvelle chemise, puis regardez... J'ai une chemise Gaston Lagaffe. Zouf! Il m'a envoyé la photo, là, 10 jours. Ah, j'étais content de l'avoir trouvé. Il m'a envoyé cette photo-là, pas de contexte de lui en Gaston Lagaffe. Là, ouais. C'est mon look de décider. En plus, dans la salle de bain, genre en selfie. Puis j'ai même un petit, je sais pas si je peux me permettre, là, mais bah oui. J'ai un Gaston dans le dos aussi. Je sais pas si on voit. Schlunk!
Il reçoit un boomerang derrière la tête, comme au début du dîner de con, là. Voilà. Ah, c'est ça, c'est, je voulais que tu sentes moins ça, là, aimer Gaston Lagaffe. J'adore Gaston Lagaffe, mon fan. Et puis aussi, Guillaume, faudrait qu'on dise quelque chose d'important à Guillaume. C'est quoi? Cette coupe de cheveux est magnifique, Guillaume. Bravo. C'est la meilleure coupe de cheveux qu'on a jamais eu à décider. Ben, moi, j'en ai jamais eu de coupe de cheveux. Ben, c'est ça. Ben, j'ai une nouvelle coiffeuse. Puis c'est grâce à Julie Artachaud qui m'a pris en photo puis qui a fait une stories pour demander à tous ses followers de trouver pour moi une coiffeuse ou un coiffeur spécialisé dans les cheveux frisés. Puis je suis allé au salon Friseur sur Ontario. Puis elle a comme désépaissi ça sur le dessus, tu sais, puis comme cette boule-là, elle m'a enlevé plus qu'ici. Puis elle m'a vendu un autre produit aussi pour... les bouclettes. Okay. C'est réussi, c'est réussi. Ah, je suis content, c'est comme je suis sorti de là, je flottais. Cœur d'Artachaud sur Instagram? Oui, exactement, suivez-la. Moi, je vais me faire couper les cheveux dans le village, ça c'est un endroit qui existe réellement, pas le village, mais l'endroit que je vais nommer bientôt. C'est au Doggy Style, tu passes-tu là des fois? Sans doute, tu sais, là, je sais pas trop c'est où en fait, pour être honnête, mais c'est pour que je passe là des fois. Ils font des coupes de cheveux ben, pour les animaux, là, fait que c'est plus les poils. Ah, c'est pour ça, c'est ça la joke. C'est pour ça que ça s'appelle le Doggy Style, ouais. Mais ça existe. C'est très astucieux. Là, googlez pas Doggy Style, je présume. En mais fait, oui, googlez. Googlez Doggy Style. Oui. Là, Sophie note, chronique sur le Doggy Style, quand ça a été créé. L'histoire. Alors voilà. Mais je serais content d'avoir avec moi la plus petite queue du showbiz québécois, Mathieu Caquette. Comment tu vas? Oh mon Dieu, mon secret est révélé, tu sais. Tout le monde, le voisin est au courant. Eh oui. Tout le monde le sait. Non, mais moi, on va mettre une chose au clair, je n'ai pas de petite queue, j'ai des petites couilles, OK? On a-tu pas tapé sur la table, genre deux minutes avant l'épisode? Pas tapé sur la table comme quand c'est pas voulu. Quand c'est pour un effet sonore, tu peux taper sur la table. Là, même sans... ben, de toute façon, j'entends, quand tu couperas... La tape. Ouais, on va couper le bout quand... Ouais, quand... Il fait signe que ça. Voilà. Alors, comment il va? Hey, ça va super bien. Je suis content qu'on soit le mardi soir. Moi, je viens de récupérer mes samedis. Fait que la star, là, bouh, j'ai des petites cornes qui poussent pour la fin de semaine. Samedi matin, j'ai des cornes qui poussent. Oh yeah! All right, c'est le fun. Ma belle petite corne. Garde cette belle énergie-là, j'adore ça. Non. D'accord. Et on est avec nous... Sébastien. Sébastien. Je suis très content d'être ici. Seb. Bonjour Sébastien. Sébastien, massothérapeute. Ah, c'est pour ça la petite serviette. C'est pour ça la petite serviette. Vous, les tables, c'est votre outil de travail, hein? Exactement. Peut-être que je me trompe, vos tables ont des trous pour le visage. Oui, dans le monde de la massothérapie, tout a des trous, toujours, pour mieux masser. D'ailleurs, ça va peut-être, je vais faire un lien, j'ai déjà massé Eve Côté. C'est vrai? Oui, la gueule, il arrêtait pas. Là, je suis pas supposé de vous dire ça. Non, ça, non, d'habitude, c'est... ce qui se passe sur une table de massage, c'est entre moi et mes clients, mes clientes. Mais Eve, elle me comptait des jobs. Mané, j'ai dit, arrête de me faire rire, là, parce que je suis plus capable de masser. Oh mon Dieu, mais... Elle me faisait trop rire. Hey, pauvre Sébastien. C'est quelqu'un d'énergique, Eve. Est-ce qu'il est particulièrement tendu ou elle est énergique comme ça dans est la détente? Très tendu. Vous mettez Sébastien dans l'embarras. Elle est très tendue. Sébastien, pas supposé raconter tout ça. Non, là. C'est ça. Je suis pas supposé raconter. Ouais. Mais elle est très tendue, mais quand tu trouves le spot, ça détend tout. Ah, le trou de quai. Ah, ben là, ça mon Dieu, quel épisode! Non, je peux pas. Ça commence à m'arrêter. Je trouve quelqu'un qui est pas là. Non, ben, je parle pour. Je parle du spot en général. Alors, ouais, on t'en est là. C'est pas clair, ça. Je suis pas uniquement. Ouais, coupe ça, Joe. Je suis pas uniquement massothérapeute. J'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a certains points spécifiques sur le corps que quand on les travaille, ça fait pleurer beaucoup la personne, ça vide les larmes de la personne? Oui, le nez. Ça là, une fois j'avais quelqu'un, j'ai donné un coup de poing sur le nez là, il a commencé à pleurer, puis pleurer. Puis là moi j'ai replacé le nez, puis après ça y a fait du bien là. La massothérapie c'est tout ça, hein. C'est pas juste, les gens ont l'impression que c'est comme pétrir une pâte à pizza. Mais non, ça va vraiment plus loin que ça, c'est la connaissance de tout le corps. Ce qui m'amène au deuxième aspect de l'éventail de ma profession, qui est, je suis également naturopathe. Ah, ben ça s'entend. Ouais. Ça s'entend dans le chiro praticien aussi un peu quand même. Je pratique la chiropratie à mes heures. Regarde d'ailleurs, j'ai un petit... tantôt, tu me parlais de tes cheveux bouclés, là. Oui. Ça, j'ai ça ici, là. Qu'est-ce que c'est? C'est désodorant. C'est désodorisant, mais ça, là, le matin, tu te mets ça sur les cheveux. OK. Tu te mets ça sur les cheveux, tu vas voir, ils vont sentir la brise d'océan. Le gars avec les cheveux particulièrement gras te suggère de mettre... Exact. C'est vraiment un bon truc.
dans tes cheveux. Tu le laisseras. Pas, hein, ça, ça peut faire pas de l'aluminium là-dedans. De papier pour les toilettes. Quand on vient de faire caca, on peut se dire. Ben, exact. Moi, je conseille toujours ça. En fait, quand je reçois quelqu'un sur ma table de massage, j'ai dit attends un peu. Et là, je sors ça. J'y en mets bien plein dans le dos. Et là, ensuite, je commence à exercer la massothérapie. Ouais. Moi, j'ai essayé quelque chose. Moi, peu de gens le savent, mais je suis particulièrement cheap dans la vie. Oui. Puis la semaine dernière, j'ai testé quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Oui. Je me suis rendu compte que mes désodorisants, l'été, ils fondaient un peu. Puis là, ils se retrouvaient en dessous du petit élévateur. Oui. Puis là, je me disais, je perds beaucoup de déo avec ça. Puis là, étant très cheap, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de refaire fondre ça et de recréer une pastille. Et je l'ai fait. Et ça fonctionne. Ben oui. Fait que j'ai sauvé à peu près le sixième d'un désodorisant, ce qui équivaut peut-être à 22 sous. Mais ultimement, c'est écologique aussi. Peut-être 50 sous. À peu près 50. Ben, sais-tu quoi, Mathieu? Ouais. Pour ça, tu te mérites un bon massage. Ah! Oui. Est-ce qu'on va t'en avoir des massages gratuits? Okay. Mais là, en même temps, avec les coups de poing sur le nez, je suis pas sûr que j'en veux. Non, mais je veux pas pleurer. Sébastien, est-ce que c'est vrai que quand on touche un peu entre l'anus et les gosses, on éjacule plus fort? Oui. Ben, t'as pas besoin de demander ça. Moi, je demande à toi. Ben non, mais tu peux essayer toi-même. Ben non, mais pourquoi il est là, je peux lui demander. Juste, c'est vrai. Il y a des bonnes pourquoi épaules, je dis ça? Mathieu. C'est absurde. Non, pas vraiment. D'accord. Ben merci beaucoup, Sébastien. Non, c'est pas fini, ça chronique, c'est pas fini. Je commence, moi. Non, je sais, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, on va revenir à vous plus tard. Ben, vous restez avec nous de toute façon, mais on va revenir à vous tout à l'heure pour... Ah non, c'est pas le déo. Hey, mais dis le déo dans la tête. Ça sent fort quand même, ça. Ouf, oups. Juste, ça, pour la peine. Juste une petite touche. Hey, je me sens bien seul sur mon îlot. Comme non, ça. Ben, j'ai pas choisi de bonne histoire pour être sans crainte. On est très contents de vous avoir avec nous, Sébastien. Ça fait du bien pour vrai. Oui, ça fait du bien. Ben, oui. Sans doute pas. C'est mon métier. Un de vos nombreux métiers. Très charismatique, Sébastien. Vraiment, je me demande. C'est une technique qui relaxe quand même. C'est une technique particulière où on décide de ne pas aller jusqu'au bout du mouvement. On titille un peu le massage, puis après ça, on s'arrête. Ben, juste quand qu'il faut tout questionner nos préconçus sur le massage. Puis il y a des nouvelles techniques maintenant. Là, comme ben, c'est lui le professionnel. Je vais installer ma serviette. Oui, pour imbiber la sphère. Alors, on va débuter. Alors, sinon, ben, vous pouvez continuer pendant... Ben oui, d'accord. Ben, justement, parce que c'est bien que vous fassiez ça, ben, Sébastien, puisque au moment où vous écoutez l'épisode, vraiment, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, c'est mon anniversaire de 40 ans dans 2 jours. Oui! Mais au moment où on l'enregistre, c'est dans 9 jours. Fait que fait que c'est moins excitant. Finalement. Fait que dans le fond, l'épisode de ma fête, ben, il y en aura pas. Mais c'est pas grave. Hein? Parce que Opération Barcelona, je vais avoir un épisode le 2 février. Fait que wow! Si vous voulez appeler à Choc là, puis me souhaiter bonne fête, là, n'hésitez pas. Là. Puis ben, on est vraiment sous le 987-3000, poste 16-10. Hey, il s'en rappelle. Alors, c'est vraiment sous le signe de l'anniversaire, puisque c'est aussi les 13 ans de Décidérés, comme on a parlé un peu la semaine dernière, enregistré tantôt. Alors, pour fêter ça, ben, je me suis dit, je vais vous faire, pour les 13 ans de Décidérés, mon top 15 des meilleurs moments de Décidérés. Oui! Ce sont tous des moments qui ont eu lieu, alors on y va. Alors, évidemment, on ne peut pas passer sous silence en numéro... 15! Ou 1, je ne sais pas. Ils ne sont pas vraiment dans l'ordre non plus. OK, bon. 7! Ben là, il dit, la première 7. Minute du premier épisode, où est-ce que j'avais écrit un beau petit texte, je pense un poème, je crois. Ben, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais réentendu puisque les micros n'étaient pas ouverts. Je ne savais pas. Fait que là, je l'ai appris après l'émission que la première minute, j'avais écrit un beau petit texte poétique pour le début. Même, je pense que les deux premières minutes, ben, c'est juste un silence. Puis après, c'est la chanson au thème. Alors, Décidéré a littéralement débuté avec un problème technique. Mais après ça, heureusement, on a changé le cap, évidemment. Ensuite, un autre bon moment pour moi, ce sont évidemment les épisodes perdus. Ça a été vraiment, tu sais, des beaux souvenirs. 3 épisodes perdus. À chaque fois, je me dis, OK, là, tu sais, une fois, la première fois, c'était drôle, hein, on l'a refait, puis OK, mais là, la deuxième fois, la troisième fois, la troisième fois. Tu nommes pas les invités des épisodes perdus? Il y en a un que ça donne bien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qu'on voit moins maintenant, mais... il y en a un petit épisode-là qui fait partie de ça. Mais il y en a d'autres que non, là. Alors, on les a perdus, que voulez-vous faire. Ensuite de ça, évidemment, un moment clé de l'émission, un avant et un après, hein, la question des piments à Lord et Larry. Alors, quand on a reçu Lord, Larry et Joss, qui sont souvent votés par les fans de Décidérés comme les meilleurs invités qu'on a reçus. Ah, de loin.
mais plus participatif. Là, je vais être clair. J'apprécie sincèrement beaucoup leur musique. J'ai écouté l'album de l'art plein de fois. Là, j'enlève rien à l'œuvre. Mais en tant qu'invité à des podcasts humoristiques, je pense que c'est pas leur dada. Et je leur ai demandé fait qu'aimez-vous plus les piments verts ou les piments rouges? Ils se regardaient, là. Insulté. C'est comme, qu'est-ce qu'on crisse ici? Alors, c'était un beau moment d'essayer, évidemment. Un autre gros moment d'essayer, c'est la première ou la deuxième année, là. C'est la chronique des One It Wonder de l'ami de Nicolas. On salue François. Comment il s'appelle l'épisode, Mathieu? C'est François, je ne sais plus son nom de famille, là. François quelque chose, l'ami de Nicolas. puis on tenait vraiment à spécifier. Hey, même moi, c'est la série. Ça, c'est l'ami de Nicolas. Oui. Mais c'est les premières années des CDRs. On invitait comme n'importe qui, là. On invitait nos amis, puis du monde qu'on fait une chronique. Puis c'est pas tout bon, là. Les gens sont nostalgiques, là. C'est pas tout bon, les premières années de Décidéré. Sauf l'épisode de l'ami de Nicolas qui est venu faire une chronique sur les One It Wonder. Par exemple, il avait nommé les trois accords, évidemment, qui ont à peu près 40 hits. Parce qu'à chaque exemple qu'il disait, on faisait « Hein? » Je l'ai déjà massé. C'est pas un One It Wonder. C'est François Gagnon, l'ami de Nicolas. Alors. Et faut à pas confondre avec l'analyste sportif François Gagnon. Moi c'est lui que j'ai massé. Ah bon, d'accord. Okay. Mais je vous conseille fortement cet épisode-là. C'est comme. C'est intéressant. Je un massage. Ensuite de ça, un autre moment clé. J'aurais beaucoup de difficulté à retrouver c'est quel épisode, honnêtement. Mais par contre, je me souviens du moment. C'est quand j'ai dû arrêter l'émission 3 minutes plus tôt parce que j'avais trop envie de caca. On était à choc. Choc Maxime était là, mais je suis sûr qu'il sait qu'il était là. Oui. Je sais plus c'était quoi l'épisode. Là. Ça se perd dans les 500 épisodes. Là, oui. Mais... Ça, j'ai un petit truc pour toi si jamais ça t'arrive à nouveau. Oui. Là, regarde, j'ai ça ici. C'est du piment de Cayenne. Là, c'est le naturopathe qui parle. Oui, oui. Alors, tu mets ton doigt, tu tapotes un peu dans le piment de Cayenne et là, tu vas écarter tes fesses ben et non, t'en ben mettre non, un ben petit non. peu. Oui, oui, ben non, oui, ben non. Je sais. Oui, je viens. Ouais. Je okay. sais. Quoi? Linda. Ah oui, Linda confirme. Linda, as-tu du... T'en mets un petit peu sur le pourtour et ça enlève... Moi, j'ai une formation en herboristerie, donc je peux corroborer les dires de Sébastien. Linda, si t'étais là, je t'offrirais un massage. Et même un peu de piment de Cayenne. Ben, j'avais pas accès à du piment de Cayenne, malheureusement, à ce moment-là. Puis là, je dansais sur ma chaise, puis tu sais... Peut-être que c'était avant un milieu d'épisode, j'avais fait « Hey, excusez-moi, faut... » Mais là, c'était la fin, fait que bon, j'ai quitté. Alors, fait que ça nous avait bien amusé. Non, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de un patient sur ma table de massage qu'il n'a pas pu se retenir. Hein? Il s'est détendu. Laissé aller. Moi, j'étais en plein milieu d'un massage et je lui ai dit « Hey, relax, c'est pas grave. » J'ai continué mon massage. J'ai sorti mon piment de Cayenne. Et... J'ai mis du désodorisant. J'ai mis du désodorisant et... Ça marche pour toutes sortes d'occasions, finalement. Oui, oui absolument, absolument, Guillaume. Avec le déo, un peu. Ben oui, c'est vrai. Toujours... D'ailleurs, on le sent, là, une petite brise océanique. Oui. Là. Mettons, oui. Pour nous montrer, vous pourriez vous en mettre? Oui, absolument. OK. Bon, ben c'est bien. un autre moment, évidemment, que j'ai beaucoup apprécié à laisser des restes, ce sont tous les épisodes enregistrés durant la COVID qu'on faisait chacun chez soi avec... moi, j'avais un micro que j'avais pris au Dollarama. Jake m'a chicané jusqu'à ce que j'en achète un vrai ou que Guillaume en prête un. Puis, c'est tout pas bon. Les épisodes durent 1h12. Le son est pas bon. Sans le visuel, c'est d'aucun intérêt. On est tous déprimés. C'est vraiment... Je les aime pas, les épisodes COVID. Écoutez-les pas, là. Ensuite de ça. C'est ça, c'était pas une bonne idée. Là. Oui, ça fonctionne. Oui, non, ça fonctionne. Oui, en ce moment, j'ai pas envie de caca. Ben non, c'est sûr. De mal. Vraiment. C'est sûr. J'ai chaud. Puis, tu sais, là, probablement, ils se font des fois flaguer parce que dans les épisodes COVID, il y avait des tunes qui jouaient. Je vais parler de Smashing Pumpkin. Je sais pas, il y a une tune qui jouait. Puis là, ils se font flaguer puis ils disparaissent de Facebook. Puis je suis comme, ah, je m'en fous. Ça ne dérange pas qu'ils disparaissent. C'est pas grave. Ensuite de ça, évidemment, quand on a reçu Sexe illégal, je pense qu'on les a reçus au moins 2 fois, si ce n'est pas 3, je ne suis plus certain. Hey, c'est, on avait reçu Sexe illégal et on avait appris live durant l'émission le décès de Roger Tabra. Alors, je l'ai déjà massé. juste ses dents. Il n'y avait rien à mais faire. Mais après avoir appliqué le piment de Cayenne, est-ce qu'on a besoin de se laver les mains? Ça, c'est ma prochaine question. Oui, il faudrait.
idéalement, là. Ça m'intrigue, tu sais. Oui, non, il faudrait pas que j'oublie tantôt. Là, d'ici la fin de l'émission, j'aimerais ça qu'on fasse rire Sébastien au point qu'il pleure un peu puis qu'il s'essuie les yeux. Non, faut pas faire ça. Ça pourrait arriver. Ça pourrait... Je me souviens quand j'avais massé Roger Tabra, j'avais amené ça ici. C'est quoi ça? C'est une petite brosse à dents. En bambou. En bambou. Et moi, je lui avais dit ça, là. Si t'as envie de caca. Encore? Tu trempes ta brosse dans le piment de cayenne et là, tu vas aller brosser mon Dieu. La peau entre l'anus et les testicules. Ou c'est à la toilette, n'est-ce pas? Brosser ça, ouais. Okay. Ben, c'est en fait, Julien, oui. c'est justement là-dedans que ça s'en va, c'est que ça vient dilater, ça vient relaxer cette peau-là. Ben oui, la rendre plus moite, donc plus... Mais qu'est-ce que ça donne de la relaxer exactement? Ben, c'est qu'ensuite de ça, la délestation va se faire d'une manière beaucoup plus naturelle que si on imagine le choc que cette zone-là vit à chaque fois qu'on va à la salle de bain. Mais là, c'est pas naturel que ce soit un choc? Mais là, si par erreur vous voulez vous mettre du poivre de Cayenne entre et que ça déborde vers l'anus, ça contredit un peu les deux effets. Il faut faire très attention. Il faut le faire avec un ami. Ah, OK. Ou avec ou un professionnel. Avec son massothérapeute. Avec son massothérapeute. Ouais, évidemment. Je me vois un peu comme un ami, moi. Oui, c'est vrai. Non, ça, vous avez raison là-dessus. L'ami de Nicolas. Évidemment, non, ça, c'est François Gagnon. sinon, évidemment, quand j'ai appris live la catastrophe de Lac Mégantic pendant des sidérés aussi. Oh, puis là, je me souviens. Puis là, je me dis, ben, c'est arrivé le jour que c'est arrivé ça, là. Là, je me suis dit, OK, à l'avenir, je ne check plus les nouvelles pendant l'émission. Je vais les regarder après. C'est un truc que j'applique aussi quand on fait des spectacles. Ensuite de ça, il y a la toune sur les Tide Pods. Évidemment, un moment clé de Guillaume Sigouin qui fait tous nos thèmes aussi. Il faisait une toune par semaine. Maintenant, ça a duré comme un round de 10 semaines. C'était bon, ça. Puis il a fait une toune sur les Tide Pods. Tide Pods. Tide Pods. On veut des Tide Pods. C'était avant que les gens mangent des Tide Pods. Ouais. C'était vrai. Chaque fois que tu travaillais au pharmacie. Ça, faut pas faire ça, hein. Vous le savez, Jean Coutu. Jean Coutu, pardon. Vous le savez qu'il faut pas faire ça, manger des Tide Pods. T'es sûr? Non, parce que les gens faisaient beaucoup de blagues. Là. J'ai vu des photos d'une pizza avec des Tide Pods dessus, mais c'est un produit ménager. Non. C'est un produit pour la lessive. C'est vraiment pas fait. Mais s'il y avait du piment de Cayenne dans les Tide Pods. Je comprends ta question, Guillaume, mais c'est faut pas faire ça. Ça serait pas mieux un peu? Non, vraiment pas. Le piment de Cayenne, c'est pas un passe-partout, là. Okay. On peut pas mettre ça partout. Là, je vois Linda à souci, mais elle va être d'accord avec moi, là, quand même. Là. Il y a quand même deux chroniques en même temps. C'est pas pour rien que c'est une arme d'autodéfense aussi, le poivre de Cayenne. Là. C'est à utiliser à bon escient. Exact. Comme on dit. Ouais, ben oui. Sinon, watch out. C'est très bien. Ensuite de ça, il y avait évidemment... Numéro 9! C'est pas grave. Ma chronique légendaire où j'avais raconté ma gastroscopie. Oui. Et que pendant ma chronique, j'avais dit qu'un des trucs que je m'étais dit pour comme mettre la switch à off, on va dire, c'est genre, je vais imaginer Rachel qui me suce pendant 2-3 minutes, puis ça va me changer les idées. Puis j'avais réalisé que ce n'était pas suffisant pour oublier que tu es en train de vivre une gastroscopie à froid. Et par la suite, dans l'épisode, Rachel a appelé. Oui. Ça, je suis plus sûr pourquoi, là. Mais Rachel a appelé. Puis là, je disais, ah, ben, je parlais de toi. Je disais que t'aimais ça me sucer. Puis elle fait, ben, c'est vrai que t'aimes ça. Ça va être un beau moment. On nous a rapprochés. Évidemment, c'était quoi les chances qu'elle appelle à cet épisode-là? 5 minutes après que j'ai dit que j'aimais ça qu'elle me suce. Ben, c'est l'équivalent d'un massage. Un peu, ben, oui, pour l'âme. Un massage buccal au niveau de... ensuite de ça, il y avait évidemment, Joël Martel a participé à plusieurs reprises à l'émission. On l'apprécie énormément, Joël. Salut. On l'adore. Salut. Salut, Joël. C'est Fred Poulet. Puis, il avait appelé Mené, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il a appelé 10 fois. Là. Il avait appelé Mené, puis il m'avait dit qu'il avait une chanson inédite de son prochain EP pour nous. Fait que j'étais tout content, parce que j'aime beaucoup sa musique. Je fais carrière, ben cool. Fait qu'il m'envoie ça. Je ne l'écoute pas avant l'émission. Puis là, pendant l'émission, je la pars. Mais là, comme j'enlève mes écouteurs, puis je vais en parler aux boys de l'autre bord, me disant, OK, ben, tu sais, ça me donne une petite pause pendant que la toune, elle joue. Fait, je me rends pas compte qu'ils m'avaient envoyé la toune de Last Ketchup. Là, j'ai fait jouer pendant une minute au moins, sans me rendre compte que c'est ça qui jouait. Puis là, je l'arrête. Ah, tabarnak. Là, je l'arrête. Ils m'avaient envoyé deux tounes. Très bonne toune. Là, je dis, bon, ça va être quoi la deuxième toune? Puis ça part, puis c'est encore Last Ketchup. Puis je fais, bon, c'est OK, là, c'est beau, là. J'ai déjà massé un pâté chinois.
Ah oui. Ah oui. Avec du ketchup. Ah oui. Bon, ben écoute. C'était bon. Évidemment. Enfin, j'ai juste mangé du pâté chinois. Avec tes mains. Avec, avec mes mains. Ouais. Un moment qui m'a beaucoup amusé aussi, ouais. Évidemment, c'est quand on a annoncé la fin des Picbois à DCDR et que le micro à Maxime ne marchait pas. Oui. Fait que c'est le moment le plus sérieux en 13 ans. Puis Maxime parle. Okay. Puis avant, on était là, c'est sérieux, on ouvre ça. T'sais, c'était vraiment, je savais pas comment le faire. Non. Je trouvais ça, c'était un grand moment. C'était difficile, je veux pas. Oh oui. Puis, toi, Maxime, veux-tu ajouter quelque chose? Alors, ça a été jusqu'à la fin. Bon, ça a bien marché. Ensuite de ça, évidemment, la fois que j'ai amené ma date Tinder à l'émission le lendemain, puis qu'elle a fait une chronique. L'émission. Oui, je l'avais massé. On salue Annabelle. Oh my God. Je dis, mais veux-tu nous faire une chronique à l'émission? Ben, OK. Fait qu'il est venu faire une chronique. Le bout où on arrivait en studio puis qu'il y avait une fréquentation ou une date en studio, puis que là, on dit, c'est qui ça? Julien ne savait pas tant que ça. Mais elle avait la peau très douce, hein? Annabelle, oui, absolument. Oui. Non, mais je peux la nommer parce qu'on est amis. Ben, ah. Ben oui. Annabelle Lurette. Non. Annabelle Lurette. Évidemment, aussi, un moment qui a touché beaucoup tout le monde, c'est quand Sophie a quitté Décidéré et qu'on y a fait un épisode pour son grand départ. Elle nous manque encore beaucoup. Oui. Et en terminant, mon plus beau moment de l'histoire de Décidéré est évidemment la question gênante de Maxime à mon oncle Serge. Oh. Oui. Ben là, je ne savais pas qu'il ne serait pas là pour se défendre, là. Mais où est-ce qu'on recevait mon oncle Serge pour la première fois? Ça faisait juste 2 ans peut-être qu'on existait. Là. On était un peu plus... On apprenait. Mais c'est correct. Moi, la première fois que j'ai fait un massage, c'était pas parfait. Hein. Non, Serge là, Maxime, en plus, il joue de la contrebasse. Hein, alors, il faut le prendre comme une contrebasse. Alors, Maxime raconte une question sur les conservateurs. Ça a massé debout. Oui. Alors, j'espère qu'on va encore en parler dans 13 ans. Merci d'être là depuis 13 ans, les amis. On va continuer avec Linda. Qu'en pensez-vous? C'est moi qui décide. Linda, ma Linda. Linda, I love you. The magic of your eyes, the spirit of your soul. Que mon thème est fini, j'entends pas les thèmes. Oui, il est terminé, oui. Il vient juste de finir. Mon thème est fini, parfait. Eh bien, les garçons, écoutez, au moment où, chers auditeurs, vous entendez cet épisode, mon contenu Patreon de samedi dernier est sorti. J'ai fait une lecture commentée du roman que j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente et que j'ai fini vraiment au tiers, là, puis on comprendra pourquoi. Et c'était excellent, Linda. Ah oui. Et pour me faire pardonner cet écart à la... je veux pas dire à la Mark Fisher, je me considère quand même, quand j'avais 16 ans, au-dessus de Mark Fisher. Uh-huh. C'est pas si prétentieux de dire ça, je pense. Mon chien est meilleur que Mark Fisher. J'aimerais vous suggérer une bonne lecture que je viens de terminer dans le cadre de mon travail. Comme vous savez, j'enregistre des livres audio destinés aux non-voyants. Et puis, je devais lire un classique, en fait, qui a été réédité plein de fois et qui vient juste d'être édité, je pense, pour la 9e fois. Ça s'appelle « Marie Major ». Je présume qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû lire ça à l'école. C'est pas mon cas. Fait que si vous avez lu « Le survenant » puis vous haïssiez votre vie à cause de ça, c'est une autre lecture historique que je recommande fortement. Puis si vous voulez, Jo, quand tu veux, tu peux mettre la photo. Puis pendant ce temps-là, je vais lire le résumé. Qu'est-ce que vous en pensez pour m'en parler après? Mais avant, Linda, les non-voyants, est-ce qu'ils comprennent c'est quoi un livre? Oh, excuse-moi, c'est une vraie question. Non. Non, mais... Non, pas du tout. Sérieux, c'est très difficile de masser un non-voyant. Parce qu'à chaque fois qu'on le touche, il faut lui rappeler que c'est nous. Ben, Mathieu, à chaque fois, il fait un saut. La plupart des non-voyants lisent le braille. Fait qu'ils connaissent la forme d'un livre et le format d'un livre. Ah, en fait, OK. Ils savent c'est quoi tenir un livre, puis le... Okay. Excuse-moi, j'ai ri de ta question, c'est pas très gentil. Ben là, alors, chacun a son rythme, tu sais. Mais j'avais lu une fois un tweet d'une fille qui disait « Comment on parle à quelqu'un qui ne voit pas? Est-ce faut-tu comme parler en braille? » Elle
Mais non. Puis là, elle répond à son propre tweet. Hey, c'est beau, guys, je viens de comprendre qu'il entend et qu'il parle. Fait pas le seul, Mathieu. Alors, si vous voulez, sur l'image du roman, je vous lis le résumé. Jeune bourgeoise instruite, originaire de Normandie, Marie-Major se retrouve fille du roi, l'une de ses femmes envoyées en Nouvelle-France en 1668 pour peupler les terres du roi Louis XIV. À peine arrivée de l'autre côté de l'océan, elle épouse Antoine Roy dit Desjardins, jeune soldat du régiment de Carignan. Amoureux, attentionné, le militaire s'éprend toutefois, 16 ans plus tard, d'une autre belle et pousse les plaisirs de la chair bien au-delà du lit conjugal. Oh shit! Lorsque le mari de cette dernière surprend les amants, sous l'emprise de la colère, il assassine Antoine. Cependant, celle qui subira la pire punition pour ce crime sera Marie elle-même, la veuve indigne qui n'a pas su retenir Antoine dans son lit. Femme assoiffée de liberté et de savoir, elle verra sa vie ainsi que celle de son fils saccagée par l'histoire odieuse entourant la mort de son mari. Shit. On peut ça revenir à ma face. Je ne sais pas si on est encore sur la photo. Ça rappelle un petit peu Kamouraska. Hein? Parce que... Oui. Je disais que ça fait penser à Kamouraska un petit peu le setting. On est dans la même peine. Oui, effectivement, parce que. Meurtre en Nouvelle-France. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'écrivaine, Sergine Desjardins, c'est une des nombreux descendants des rois Desjardins, donc de Antoine et de Marie, qui ont une énorme lignée, dont les fondateurs des caisses Desjardins, entre autres. Puis, en fait, elle a retrouvé des documents officiels, l'acte de mariage, plein de trucs comme ça. Puis, elle a imaginé qui aurait pu être Marie, son ancêtre, en lui prêtant non seulement des émotions, mais des traits de vie. Mais elle a tout emprunté à des choses qui sont historiquement correctes selon ce que vivaient les gens à l'époque. Exemple, elle a décidé que... elle a vu que sur l'acte de mariage d'Antoine puis de Marie, Marie, elle n'a pas signé. Et une des explications plausibles de ça, c'est que Marie était une bourgeoise éduquée. Les filles du roi n'étaient... Il y avait une petite proportion de prostituées, mais ce n'était pas ça la définition des filles du roi. Donc, Marie, probablement, elle savait écrire, mais en Nouvelle-France, c'était mieux de le cacher. Un, parce que tu peux passer pour une sorcière. Mmh. Et deux, il ne fallait pas que tu sois plus éduquée que ton mari. Puis ta job, c'était de défricher une terre puis de faire des bébés. Fait que si tu savais lire, tu étais ciblée comme étant quelqu'un de possiblement problématique. Ouais. Fait que moi, ça pourrait expliquer Linda, pourquoi elle n'a pas signé. Oui? Moi, on m'a déjà qualifié de sorcier. Ah oui? À cause de mes méthodes, à cause de mon côté naturopathe. C'est parce que tu sais lire. Parce que je sais lire. Je sais lire le corps. Je sais lire les veines, oui, les tensions, les muscles, et la aussi, sueur, les fesses. Ce qui est central à l'histoire, c'est comme je disais dans le résumé, c'est que le mari, Antoine, l'époux de Marie-Major, lui, en fait, il avait contracté plein de dettes parce qu'il buvait et tout, puis il était pas wise dans son commerce et il logeait loin de chez lui, chez un homme et une femme, et il tombe amoureux de la femme. Et quand le mari de la femme les a surpris ensemble, il l'a gonné, il l'a tué. Un procès s'en est suivi, et le tueur s'en est somme toute bien sorti. Il a réussi à retrouver sa liberté en convainquant les hommes d'église avec qui il était de mèche. Et dans ce temps-là, si tu étais la femme de quelqu'un qui a commis de l'adultère envers toi, t'étais non seulement déshonoré, t'étais chassé de ta ville, t'étais dépossédé de tous tes biens. Mmh. Fait que c'est toi qui mangeais la marde parce qu'on se disait, mais elle a pas su retenir son mari, c'est elle qui a un problème. Puis la femme adultère, la maîtresse d'Antoine, elle aussi, elle, dans le livre, écoute, elle se fait chasser de la ville, elle est bannie, elle se fait fouetter en public, oh, ouais. Tu sais, c'est la grosse affaire. Là. Mmh. Les femmes mangent vraiment la merde. Fait que c'est très intéressant parce que c'est très on lit beaucoup sur les mœurs de l'époque. On est à la fin des années 1600. Et puis mon Dieu, les convenances sont tellement importantes que qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'entends je viens de demander est-ce que des choses qui ont changé depuis ou honnêtement à certains niveaux non. Ben moi, j'ai jamais fouetté un de mes patients. Ben, c'est pas vrai, ça. Il est venu chez moi l'autre jour. Ouais, mais cette serviette-là mouillée, là, cette serviette-là mouillée... Ça, je l'ai déjà faite des fois. Julien, je disais, ah ouais, cours, mon petit ballon. Oui, là, je cours. Ah, arrêtez!
Et c'est très intéressant parce que dans le livre, elle a tout ça est imaginé, bien sûr, mais elle a une relation d'amitié, de grande amitié avec un esclave de la nation Huron. Oh, ouais. Parce que oui, il y avait beaucoup d'esclavage, évidemment, des peuples autochtones, dont beaucoup de clergés, membres du clergé qui avaient des esclaves autochtones. C'est épouvantable. Et puis, il est son ami depuis plusieurs années. Il devient son amant. Fait qu'on se dit, OK, tout ça, on sait que c'est imaginé, mais c'est tellement bien construit et c'est tellement backé par, justement, des écrits qui disaient, ouais, mais les femmes, dans ce temps-là, ils vivaient ça, le risque, c'était ça. Fallait pas qu'ils passent pour... Fallait que tout le monde marche dans les rangs. Tu peux te faire excommunier pour des niaiseries. On voit dans le livre Monseigneur de Laval qui excommunie des oiseaux. Il excommunie des oiseaux parce qu'ils ont joué à statue de singe. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment... Il y a des choses totalement absurdes là-dedans. C'est très intéressant à lire. Je vous le conseille. En quelle année ça a été écrit, Linda? Je ne sais pas si tu l'as mentionné. Je pense que la première édition, elle l'a sortie au début des années 2000. OK. C'est moderne, là. C'est moderne. Oui, une analyse moderne de ça. Parce que, tu sais, quand tu parlais... c'est moderne, des propos comme ça. Quand tu parlais du... Ben, moderne, ça a quand même 20 ans, mais... Tu sais, quand tu parlais de son amant Huron puis tout ça, je sais que, tu sais, il y a une époque où on écrivait des trucs, puis que là, tu sais, il y avait tout le temps le personnage malaisant du le bon sauvage, là, tu sais, dans le vieux théâtre. Puis là, j'avais peur qu'on s'en aille sur cette traque-là, puis que ça devienne tu sais, il y a un personnage où ça s'éprend de lui, mais tu sais, c'est tout le temps le seul gentil, tu sais, de sa gang. Mais là, tu me rassures en disant que ça a été vu sous une lentille un peu plus moderne. Non, c'est un bon point. Il y a beaucoup de. Beaucoup de personnages sont présentés en teinte de gris au lieu d'être noir ou blanc dans leur caractère puis dans leur façon d'être. Tu sais, Marie, il y a des gens qui l'aident sur son chemin, son fils aussi. Il est pris dans la même... il est banni comme elle, tu sais. Puis il y a des gens qui ont juste pas de calice de bon sens, mais ça, c'est comme à toutes les époques. Mais bref, je vous le recommande vraiment. Puis après, il y a des notes historiques après le roman. Il y a des photocopies de vieux actes de mariage et tout, sur quoi elle s'est basée. Puis elle explique beaucoup, avec beaucoup de rigueur, sa démarche de dire, OK, ben ça, je l'ai inventé, mais ça, c'est plausible à cause de ça, ça, ça. Fait que, ouais, une belle lecture. Est-ce qu'on peut manger un oiseau excommunié? Et au risque de te faire excommunier toi-même, je pense que c'est ça le risque. C'est contagieux. Vu que le Saint-Hubert est un saint, est-ce que les oiseaux sont tous doivent tous être ne pas être excommuniés chez Saint-Hubert? L'oiseau excommunié, es-tu au courant, Guillaume? C'est ça pour vrai vos questions? Moi, au début, j'ai fait... Imaginez, je peux pas croire que j'ai fait ça, mais dans mes débuts, j'ai massé des oiseaux. Ben voyons. J'étais masseur aviaire. Hey, je sais pas si vous avez déjà massé une pintade, là. Ben non, ça se laisse pas faire. Imaginez. C'est pas le... Non, le, vraiment, là. Le plus petit oiseau que vous avez massé? Un colibri. J'ai déjà massé une autruche. Ben voyons. Oui. Vous ben voyons. Elle s'était sauvée. Voilà. A fallu que je la paye au propriétaire. 5000 piastres. Elle avait donné un coup de pied à ma table. La tabarne. La sacrament. Joe, t'enlèveras ça au montage. Parce que d'habitude, je comprends les comportements des clients. Mais là, pour vrai, là. Moi, une table, ça coûte 1 600 $. Et là, un coup de patte, là, attends, sans... Ta table coûte moins cher quand même que l'autre. Oui. Ben, exact. Alors, Linda... moi, j'ai une vraie question. OK, ben, on va quand même... Ouais, vas-y. Quand même fait une belle chronique sur un livre. Oui. Donc, j'allais faire un pont correct, là, à la fin. Est-ce que ton intérêt est plus historique ou c'est vraiment le récit qui est allé te chercher? C'est pas aussi bon. Bonne question. Je te dirais qu'après ces temps-ci, j'ai un gros stretch de romans historico-romantiques d'époque à lire, un peu chick-lit. Fait que je tiens plus de temps. Il y a des bouts qui m'ont vraiment émue, là, à la fin, quand t'es à l'hôpital, puis qu'elle meurt lentement. J'ai aimé ça. Ça m'a émue, dans le sens, ça m'a émue. Mais moi, c'est vraiment... Puis c'est quelque chose que j'avais aussi aimé dans un autre roman que je vous ai recommandé, de Jean-Pierre. Son nom m'échappe. Mais c'est de découvrir les mœurs d'une époque, puis les façons de faire d'une époque. Fait que oui, je pense que l'intérêt historique est ce qui a surtout piqué mon intérêt. Ah bon, fait que t'as aimé ça.
si je peux conseiller les romans de Michel Folco, je pense que vous aimeriez beaucoup ça. Oh. Un bon volet historique. Merveilleux. Rappelle-nous le titre, oui. Linda. Marie Major. On va aller voir ça. Merci beaucoup, Linda. Mmh. On va continuer avec Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses? D'accord. Ça fait deux heures et demie qu'on fait des podcasts. Là. Je parle un petit je veux juste dire une petite chose à Linda pour ta belle chronique. Samedi soir prochain, je fais une démonstration. J'amène ma table à massage à la petite grenouille de Rivière-du-Loup. Et si tu viens, je vais t'offrir un massage avec grand plaisir. Ah, c'est généreux, ça. Pourquoi Rivière-du-Loup? Êtes-vous de ce coin-là? Moi, ou... je fais la tournée des petites grenouilles. Une petite grenouille à chaque samedi. Okay, okay. Ah ben, il y en a plusieurs, c'est une chaîne. Ah, ça vire, là. Des fois, je me souviens pas de la fin du massage. C'est quoi ces soirées-là? Moi, j'étais un party. Linda, ouais. vous promenez puis vous vous massez? Oui. OK. Linda, j'aurais peut-être une suggestion de film pour toi. Oui. C'est un film de Karel Reiss, un film anglais qui s'appelle The French Lieutenant Woman. Pas vu. Qui est un film historique sur une femme qui est vue comme une sorte de paria parce qu'elle s'est fait abandonner par un lieutenant français puis elle l'attend toujours. Fait qu'elle est complètement marginalisée dans la société. Mais le film, ça, c'est un roman qui est apparu dans les années 60. Mais. Le film qui a été adapté, c'est avec Meryl Streep. Puis le film est séparé en deux parties. Puis tu as la partie historique, puis tu as la partie des acteurs qui jouent le film, qui font des recherches historiques pour complémenter, en fait, le portrait historique du 19e siècle en Angleterre. Puis sur la surprise, Sébastien est en train de me masser. Ah ben oui. donc, c'est vraiment un film intéressant bon, sur l'analyse historique puis comment on met à l'écran, en fait, là, des faits historiques puis sur la condition féminine aussi. Là. Moi, je te conseille Shrek. Sur la condition féminine. Sur la condition féminine aussi, la précessionnante. Très bien. Alors, vas-y, Guillaume, est-ce qu'on a joué... Ah, t'as pas de thème, c'est vrai. J'ai pas de thème. Ah, c'est vrai, t'as pas de thème. Ben non, mais j'ai oublié. Ben non, mais parce que ça en vient. Je spoil un peu, mais la semaine prochaine, Guillaume, tu auras un magnifique thème. En attendant, tu veux-tu en chanter un, Julie? Ben oui. Guillaume, mon Guillaume. Guillaume, Guillaume, I love you. Ah, OK, parfait. Tes beaux cheveux et tes beaux yeux. J'adorais te masser toute la nuit. Vas-y. Yeah. Ça fait voler ma job. Ouais, c'est ça. C'est comme ben tout le monde veut me masser aujourd'hui. Tout le monde veut masser. Moi, j'ai préparé une petite chronique. ça vient du fait que cette semaine en auto, vous allez voir, c'est un lien qui est complètement random, mais en auto, j'écoute beaucoup la radio pour aller travailler. Ah oui, qu'est-ce que tu écoutes? Radio X. Moi, j'écoute juste la AM. Ah, 980 ou 940 AM, écoute, c'est des méchantes belles tonnes. Tout ça pour dire que j'écoutais, c'était l'émission de Pénélope, puis elle avait une chroniqueuse qui parlait des gens sur les réseaux sociaux, puis qui rageait un petit peu là, sur le comportement inapproprié de certains internautes. Ah, il y en a, c'est des vrais nonos. Oui, c'est ça! Oui! Puis là, un moment donné, elle commence à dire, « Ah, moi, il y a une page Instagram que j'adore, c'est la page « Celui qui le dit ». Ah. Où ce que, en fait, là, on prend les photos de profils des gens qui disent des horreurs, là, puis on les publie avec ce qu'ils ont dit qui n'ont pas de bon sens. Ça, c'est une bonne idée. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis tout ça, puis en parlant le soir même avec eux, c'est qu'à la fin de la chronique, en fait, elle dit, en tout cas, puis quand on voit le visage de ces gens-là, hein, on se dit, des mèches trois couleurs, je le savais. Ça finit de même. C'est un peu comme rough. Ah, wow. C'est comme rough pour rien. C'est rough pour les gens du Saguenay. Ben oui, des dames qui ont des mains. Okay, oui, ben c'est ça. C'est que moi, je l'ai vécu quand j'étudiais au Saguenay au début des années 2000. Et avec on m'avait dit, le Saguenay, comme c'est une région très peuplée, mais quand même séculaire, loin, il y a beaucoup de tendances puis de produits qui sont testés là-bas. Puis si ça marche, ils l'étendent au reste du Québec. Ah. Puis, à cette époque-là où j'étais là, les femmes, beaucoup de madames, c'est des madames, ils se faisaient une espèce de coupe un peu flippée, là. Tu sais, là, c'était la mode, des flips partout. Il y avait, le dessus était noir, le milieu était platine, puis le fond était rouge. Puis on appelait ça la coupe de cheveux napolitaine. Ah bon? Et ceux qui l'ont vécu comme moi vont voir le référent direct, vont le voir dans leur tête. C'était la coupe
napolitaine. C'était l'époque. C'est les femmes de demain. Hein. Mais c'était l'époque. Ça a pas mais beaucoup de sens. Justement, je rebondis en fait sur ce que cette anecdote-là, qui n'est pas un hasard en fait, parce que justement, je voulais vous parler de la crème glacée napolitaine. Oh! Oh! T'as demandé dans la discussion, est-ce que quelqu'un a fait une chronique sur la crème glacée napolitaine? Ben, je me dis, peut-être qu'il y a eu un mané, quelqu'un, il dit, il y a quand même 550 épisodes. Ça aurait pu. Y a-t-il quelqu'un qui a fait ça? Ben, c'est la première fois que je viens. Oui, c'est ça, il ne peut pas savoir, Sébastien. Non, Sébastien n'est pas dans la conversation non plus, mais qui est derrière ça, la page, celui qui le dit, non? Ah, on ne sait pas. Un hein? mystère total. Personne c'est vrai que j'aurais dû y penser avant d'en parler. Mais en tout cas, nous autres, on le sait. Puis, tout ça pour dire que je racontais ça le soir même à Evelyne Potvin-Cloutier, hein, qui est déjà venue à l'émission. Oui, qui est d'ailleurs qui a une carte chouchou. Elle a une carte chouchou. Ils sont très peu à voir ça. Et elle fait des personnages, des fois, pendant les lignes ouvertes, là, mais comme, un peu comme la personne qui fait de François Truffaut. On ne peut pas dire c'est qui. C'est ça, on ne peut pas le dire. On ne sait pas. Fait qu'Evelyne, je raconte quoi ça. On parle là. Evelyne, elle faisait des personnages. Bon, elle faisait des personnages au téléphone. Oui. Non, tu penses à l'autre Evelyne. Evelyne qui fait Céline? Ouais. Ben voyons. Ben oui. Oh my god, ok, là, trompez-vous pas. Je comprends même pas mon propre lore. Mm. Oh boy. Mais en tout cas, ces deux Evelyne-là se connaissent d'ailleurs. D'ailleurs. Oui, oui. Il n'y a pas d'hasard. Toutes les la crème glacée napolitaine. Le bon Dieu est partout dans le fond. Fait que là, tu sais, pour dire que je raconte ça à Evelyne, puis là, elle est en train de me dire, coudonc, c'est quoi qu'elle a contre les mèches trois couleurs, justement. Puis là, elle se dit, ben justement, moi, j'ai les cheveux comme, tu sais, j'ai les cheveux foncés, puis là, je commence à avoir des mèches grises. Je pourrais me teindre une autre couleur, puis avoir une coupe napolitaine. Fait que là, je suis comme, hey, les crèmes glacées napolitaines. Puis on commence à parler de ça. Puis là, je me dis que moi, j'aime ça, la crème glacée napolitaine, parce qu'il y a trois choix dans l'assiette, dans le fond. C'est que si t'aimes pas trop le chocolat, t'aimes ça, mais pas tant que ça, mais tu peux le mélanger si c'est trop intense avec de la vanille pour adoucir un peu le tout, ou avec la fraise. Puis s'il y avait juste la fraise, juste le chocolat, tu sais, t'aimerais-tu ça vas-tu autant? Vas-tu mentionner le célèbre gag des Simpsons sur la... Mais, non. Non. Rappelle-moi, c'est quoi le gag? C'est quand il rouvre le pot de crème glacée, puis là, il dit... Ben, je sais plus c'est quoi la phrase. Chocolat. Puis là, il ouvre le pot. Puis là, il n'y a plus de chocolat. Il reste les deux ah autres. Ah oui! Dope! Là, il roule l'autre rappelle. D'après. chocolat. Nope! Il dit Bart. Bart! Tu rachèteras de la crème glacée, trois couleurs. Bart! Tu as tout mangé, ma crème. En tout cas, moi, je suis du genre à aimer ça, le mélange. Puis ben, aussi, j'ai de la misère à choisir dans la vie. Fait que, d'habitude, ce que je fais, c'est que je me dis, c'est parfait pour moi, la crème glacée napolitaine. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas à choisir, je peux mélanger. Imagine s'il y avait 10 couleurs. Fait que là, tout ça pour dire que je promets à Evelyne soudainement, sur le coup de l'émotion, que je vais faire une chronique sur les origines de la crème glacée napolitaine. Ah, c'est une bonne idée. Fait que j'ai fait des petites recherches tantôt qui sont relativement peu concluantes, mais en tout cas, il y a quelques anecdotes que je peux vous partager. Peut-être des pistes, des fois, qu'on peut partir de là. C'est ça, puis tu sais, fait un peu, j'en fais une lecture un peu, là, oui. Tu sais, où je critique aussi là, mon regard là-dessus, puis les informations que je trouve. Hein. C'est un sujet dense, quand même. Oui. C'est un sujet dense. Écoute, là, je vais y aller. Puis déjà, fond, j'ai écrit un texte là, pour me préparer. J'imagine les Italiens doivent avoir un rapport Italiens, là-dedans. Effectivement, Napoli, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange à Napoli? Est-ce qu'on mange de la crème glacée napolitaine? De la pizza. On mange de la pizza, Linda. On joue à Mario Bros. Voilà. Alors, Mario Bros, qui est un célèbre Italien. Un célèbre Italien. Mais donc, d'après mes recherches, là, j'ai écrit mon petit texte parce qu'il y a quand même du stock, là. Oui. Tout aurait commencé quand les immigrants napolitains ont commencé à arriver en Amérique au 19e siècle. Et ils ont amené avec eux un dessert qu'on appelle le spumoni, excusez-moi, qui est une mousse glacée à trois parfums, éventuellement fourrée de fruits confits. Ou de noix. Donc, vous voyez un peu l'idée des trois parfums, ça va revenir souvent. Okay. Les Napolitains ont expérimenté différentes combinaisons de saveurs pour cette douceur-là. Par exemple, en intégrant les couleurs de leur drapeau. L'amande pour la couleur verte, donc des amandes vertes plus amères. La vanille pour le blanc, la cerise pour le rouge. Donc, on a les trois couleurs du drapeau italien. Wow. Un principe qui a l'air populaire en Italie, car on y trouve également des insalata tricolore, qui sont des salades trois couleurs. Donc, une verdure, un fromage blanc et des tomates, par exemple. Encore une fois, pour reproduire le drapeau italien. Donc, ils ont de l'air très intense sur la cuisine et le drapeau. Mais il y a pas quelques autres qui a trois couleurs sur le drapeau. Je sais, mais comme imaginez un dessert québécois à propos, tu sais, genre, c'est comme là, de la crème glacée au bleuet. Puis du... Ah, ben oui. Voilà, c'est réglé. un dossier de moi. Excusez. C'est ça, ben bravo. Merci Mathieu, ça, j'y avais pas pensé. La crème glacée au bleuet, c'est parfait. En plus, c'est vraiment local au bout, là. C'est super bon. Et en fond, de l'Aquaticook, de la crème glacée au bleuet qui est pas piqué des verres. Très, très Québec. Drapeau Québec, en tout cas.
Mon Québec. Mais c'est les valeurs, donc chocolat, vanille, fraise, qui étaient les plus populaires dans les parfums qu'ils offraient. Et donc, le surnom de crème glacée napolitaine est resté à cause de cette raison-là, parce que c'est les immigrants napolitains qui ont amené la tradition du spumoni. Mais le spumoni a continué d'évoluer en parallèle avec la crème glacée napolitaine, donc qui a gardé son nom. Puis là, les deux desserts, finalement, ont continué à exister en parallèle. Donc, c'est Patrick Esposito di Napoli qui a, qui a apporté ça. Là. Too soon. Tout à fait. L'harmonie 6 des colocs. Sans toi, ben, est-ce que je peux te masser pendant ta chronique? Oui, oui, vas-y, oui. Ça va faire un petit peu de... J'osais pas le demander. Non, mais c'est le fun parce que tantôt, tu massais Julien pendant sa chronique, puis là, il était comme... Tu sais, genre, j'haïs pas ça. Ça donne un peu de groove puis de texture. Sébastien, est-ce que tu connais une technique italienne, peut-être? Oui. Oh, oh. Je suis pas sûr, je veux savoir c'est quoi. Un marqueur. Qu'est-ce que ça va être? Guillaume est confiance. Vas-y, continue. OK, c'est vrai, il faut que j'aille confiance. Continue. Avec l'aide de mes amis. Donc ça c'est l'information que j'ai trouvée la plus répandue, sauf qu'il y a d'autres variations qui viennent contredire ou infirmer ou en tout cas bref, qui complexifient un petit peu les origines de la crème glacée napolitaine. Par exemple, excusez, ça me fait rire de me faire masser en même temps. La première version officiellement enregistrée, donc de la recette que l'on connaît, là, les trois parfums, vanille, chocolat, fraise, pour la crème glacée napolitaine, aurait été faite par le chef cuisinier de la cour royale prusse, Louis-Ferdinand Jungius, qu'il a dédié au prince Hermann von Pückler-Muskau, qui, toujours selon l'Internet, aurait été un influent paysagiste, orientaliste et écrivain allemand. Donc, il y a un chef cuisinier prusse de la cour royale de Prusse qui aurait fait ça pour ce célèbre paysagiste allemand. Donc, à ce jour, en fait, ça, j'ai appris ça, c'est un fun fact très intéressant, les Allemands ont l'équivalent de la crème glacée napolitaine, mais eux, ils appellent ça la crème glacée... Ben, ils appellent ça, en fait, la Fürst Pückler Eis, c'est-à-dire la crème glacée Fürst Pückler en l'honneur de notre célèbre paysagiste Hermann von Pückler-Muskau. Mais est-ce que c'est les mêmes couleurs? C'est les mêmes couleurs, c'est la même saveur, c'est la même affaire, c'est juste que ça porte pas le même nom à cause de cette recette-là enregistrée par un Allemand au début du 19e siècle, bien avant l'arrivée des Napolitains en Amérique. Donc, ce serait plus logique historiquement que ce soit eux qui aient créé ça. Ben, c'est juste qu'on dirait que... Est-ce qu'ils se sont parlé? Peut-être qu'ils ont tous créé ça comme dans des moments séparés, puis que... Ben, des fois, on parle de l'idéosphère, tu sais, les idées sont dans l'air, ça appartient pas à personne, puis à des endroits différents dans le monde, historiquement, il y a eu des fois les mêmes idées qui ont pas... Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? Denis de la Malice, là, en français. Ben oui. Il y en a eu un, celui qu'on connaît plus, là, la version américaine. En même temps, en Angleterre, le même jour, la même année, il y a un personnage anglais de bande dessinée qui s'appelait comme ça. Ben, on peut penser aussi... Deux Denis de Menace le même jour. C'est capoté raide. Ben oui. Souvent, il n'y a pas de hasard. Hein, puis le bon Dieu n'est pas fou, dans le fond. Où l'est-il? On s'y a le rappelé. Mais aussi le cinéma. Hein, aussi, quand on parle de l'invention du cinéma, on est tout le temps en train de s'obstiner sur qui l'a inventé en premier. Ben, c'est parce que c'est le fruit de plusieurs affaires et d'inventions différentes qui ont eu lieu à peu près dans les mêmes temps. C'était l'époque, là, justement. Les frères Lumière, du développement exact. De la photographie, de la psychanalyse, etc. Donc, on avait quelque chose dans le cinéma là, qui allait avec tout ça. Bref. Ça nous donne deux pistes, finalement, pour comprendre les origines de la crème glacée napolitaine. Là, par contre, il y a comme un petit ajout que je veux faire. Un autre petit ajout. Ben oui. C'est que j'ai trouvé un site web qui s'appelle icecreamhistory.net. Icecreamhistory.net. Là, icecreamhistory.net. Ah, Linda se promène. J'aime ça. Bonjour. La voit pas. Sur le site icecreamhistory.net, on affirme que le gelato, après que le gelato italien, donc la crème glacée italienne, eut conquis l'Europe entre le 15e et le 18e siècle, gelato autant. Les changements de mode au 19e siècle ont imposé une tâche redoutable aux glaciers italiens. Hey, merci Sébastien, c'était vraiment agréable. Très belle peau. Mais pour vrai, je me sens quand même relax. Oui, ça marche. C'était le fun, j'ai adoré tout ça. Ouais. Ils ont imposé une tâche redoutable aux glaciers italiens, c'est-à-dire de créer une nouvelle crème glacée combinant plusieurs parfums dans un emballage unique et facile à produire, à transporter et à servir. C'est-à-dire qu'on veut commercialiser le tout puis l'exporter à travers le monde. Donc, ce serait la raison de leur invention de la crème glacée napolitaine, finalement, qui a tout de suite suscité beaucoup d'intérêt. Ça, c'est d'après le site icecreamhistory.net. Beaucoup d'intérêt après sa présentation au public au début du 19e siècle, notamment par le glacier italien Giuseppe Tort
Tony qui vivait à Paris. Fait que là, on en revient encore au début du 19e, la même époque que la crème glacée Ice Pickler, là, tu sais, toutes ces affaires-là. Non, c'est ça. Puis bien avant encore que les Napolitains arrivent en Amérique puis inventent tout ça, là. Fait que là, je comprends pas ce qui se passe. Le là, mystère s'intensifie. Ouais, ça s'épaissit comme une crème glacée. Je fais une recherche un peu sur ce nom qui est name drop, là, super random, Giuseppe Tortoni, puis je me rends compte, en fait, que dans le fond, c'est un Napolitain qui est né en 1775, donc au 18e siècle. En 1804, il achète un café-pâtisserie à Paris, qui appelle le Café Tortoni, et qui va connaître une renommée mondiale au 19e siècle. Il va être cité par plein d'auteurs célèbres de la littérature. Par exemple, Honoré de Balzac va fréquenter ce café. C'est bien bon, ce collier. Oui, c'est exactement ce qu'il dit dans, par exemple, Splendeur et misère des courtisanes. Oui, c'est ça. Donc, Stendhal aussi va citer la salle de billard de Tortoni, donc qui est au premier étage du café-pâtisserie, dans Le Rouge et le Noir. J'ai tout appris ça sur Internet, Sébastien. Et incroyable. Enfin, Marcel Proust l'évoque plusieurs fois dans « À la recherche du temps perdu ». Donc, il y a vraiment quelque chose. Puis parmi les habitués du Café Tortoni, on trouve le peintre Édouard Manet et le comte Otto von Bismarck. Donc ça, c'était des fun facts. Fait que là, je me disais, tout ça elle semble vouloir clôturer la boucle. Oui, faut que tu... Ouais. Vas-y. OK, ça, c'est-tu un signe pour que j'arrête? Non, ça, c'était dit Proust. Ah, Proust. Ah, fait que là, mais tu dois clore tout de même. Oui, je clore. Donc, la vérité est fragmentée, le spumoni, toute la gang. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon affaire. Alors, tout ça pour dire que icecreamhistory.net est-elle une source fiable pour s'avancer sur le sujet? Un point net, d'habitude, non. Parce qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom, il n'y a rien pantoute, il n'y a pas de source, il n'y a pas de référence. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a une adresse courriel à laquelle on peut écrire et qui nous invite à leur écrire pour leur poser des questions. Il dit « We would like to hear from you. Keeping in touch with our readers is very important to us. » C'est pour comme maintenir en vie l'histoire de la crème glacée. Donc, « We will try to answer all your emails. So please do not hesitate to contact us with any question you may have. » Inondé de messages. Il souligne « Be as precise as possible. We receive a lot of messages. » Please use the icecreamhistory.net as email title. Alors là, il y a une adresse. Fait que je leur ai écrit pour leur demander où est-ce que vous avez pris ça, cette information-là sur Giuseppe Tortoni qui a vécu à Paris, qui a popularisé la crème glacée napolitaine. Ben, c'est ça. Full en avant sur telle affaire puis tout ça. Puis là, j'essaie de leur poser des questions sur comme j'aimerais en savoir plus en fait. Est-ce que Tortoni a vendu de la crème glacée aux États-Unis puis en France? Puis est-ce qu'il a inventé la crème glacée napolitaine? Il l'a juste popularisé. Thank you very much. Signé Guillaume. Donc, je leur ai envoyé ça et à ce moment-là, donc là, il est 9h49, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Une bouteille à la mer, peut-être, trouvera-t-elle écho. Alors, je dédie cette chronique à Evan. Mais ça, Guillaume, c'est intéressant. Sébastien, vous me disiez, on a discuté un petit peu avant d'entrer en nombre, que vous faisiez votre propre crème glacée napolitaine, d'ailleurs. C'est exact. Oui, vous faisiez avec quoi, déjà? Est-ce que vous l'amassez? Du piment de cayenne. Ben, on va le laisser... C'est rouge. Moi, je fais tout ça à partir de racines. Oui. Alors, je vais faire ça, par exemple, avec des racines de gingembre, de pissenlit, des racines... Ça ne doit pas être bien bonne, votre crème glacée. Non, elle n'est pas très bonne. Ben oui, c'est de la route B. Mais ce n'est pas une crème glacée qui est destinée à être mangée. Moi, je m'en sers pour masser les gens. Ça va être trop froid. C'est pas agréable. Il y a des gens qui aiment ça. Ça fait bien de sens, tout ça. Ah, ça, je le Tout le monde aime quelque chose. Un peu l'histoire de la poutine. Hein? Il y a comme une espèce de confusion dans la paternité... Est-ce un hasard? J'en doute. On n'a plus de temps pour ça, je suis désolé, les amis. Alors, Mathieu, tu as 5 minutes. OK. Hey, la chronique. On va donner une minute à Sébastien. Pendant que tu fais ta chronique, je veux juste que tu essayes un de mes petits produits. C'est pour redonner un peu de santé à ta peau. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est mon sperme. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment juste mon sperme. Oui, ça a l'air de ça. Ça sent jusqu'ici. Il n'y a pas un peu du mien? C'est encore chaud, là, on dirait. Pas, mais je pense il y a de la petite fumée là, qui se dégage. Mon Dieu, ben, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas vraiment d'aujourd'hui. On s'en parle après. Non, il a fait semblant. C'est du sperme. Ok. Il est niaiseux, Julien.
OK, comme vous l'avez appris la semaine passée de la bouche séduisante de mon collègue Julien juste ici. Salut. Depuis peu, on a modifié les récompenses que vous avez quand vous vous abonnez à nos tiers Patreon. Et dorénavant, ceux qui payent 6 et 10 $ par mois, ben, vous avez accès à notre Discord et vous avez accès à une salle privée réservée uniquement à vous qui nous permet de faire des suggestions. Et à chaque épisode... On trouve aussi mes photos sexy. Oui, et voilà. Et à chaque épisode, on va avoir au moins une chronique qui va être tirée des suggestions des gens pendant Sébastien que se Sébastien se badigeonne la face de son propre sperme. Oui. Donc, c'est moi cette semaine qui a l'honneur de faire une chronique selon les suggestions des gens. Et au moment où on a fait ça, il n'y avait pas beaucoup de suggestions à ce moment-là parce qu'on venait juste de poster le truc. Ouais. Donc, j'ai pris celle qu'il restait, puis je ne suis pas déçu. C'est Mick Archibald qui a fait ça. D'ailleurs, vous pouvez nous écrire là, sur le Discord. Puis si vous n'êtes pas sur le Discord, vous pouvez nous écrire directement dans la messagerie Patreon pour faire vos suggestions. Moi, je vais les ramasser puis je vais les mettre dans un document prévu à cet effet. Écrivez-nous, là. Ça va se rendre. Fait que, donc, merci à Mick Archibald qui veut que je vous fasse une chronique sur le jeu vidéo Arm Joe, le jeu de combat tiré de la comédie musicale Les Misérables. Ça, c'est bon. Est-ce que vous êtes familier avec ceci? Ben, Maxime, c'est plate qu'il soit pas là parce que en tournée, on a écouté Les Misérables à la télé. Puis moi, je trouvais ça bien bon. Puis tous les gars se moquaient de moi tout le temps. Non, mais j'avoue que c'est un peu plate. Non, c'est super bon. Ils chantent, mais on dirait qu'on comprend pas pourquoi ils chantent. Ouais, on comprend pas quand les barricades s'effondrent sur eux puis qu'ils meurent, qu'ils aient le goût de chanter. Ça fait des semaines qu'ils parlent. Ouais, mais c'est pour s'exprimer, c'est douloureux. La discussion de cette tournée-là s'appelle Les Misérables. Avec Jean Valjean et des lunettes fumées. Puis il se moque des misérables. C'est super bon, les merdes. Moi, je trouve ça un peu niaiseux. Non, ouais. C'est vraiment bon. La comédie musicale n'a pas été. Avec mes recherches, j'ai vu que ça n'avait pas été franc succès. Bref. C'est un succès au box-office. Non, mais pour les qualitatifs, là. Qualitativement, je pense que les gens n'ont pas beaucoup apprécié. Mais bref, c'est pas ça dont je veux parler. Moi, je veux parler du jeu vidéo qui en a découlé, Arm Joe. J'avais aucune idée que ça existait, cette affaire-là. Par contre, ça existe depuis 1998. Oh. La version finale, la version 1.4B. A été sorti en 2006. Fait que il y a quelqu'un qui a mis 8 ans de sa vie à améliorer ce jeu-là. Selon le site internet The Independent Games Wiki, c'est un free 2D one-on-one fighting doujin game. OK? Et basé donc sur le musical des Misérables. C'est quoi ça, un free 2D one-on-one fighting doujin game? C'est un jeu de combat. T'sais, au final, c'est un rip-off de Street Fighter 2. Au final, si vous imaginez la qualité graphique et à quoi ça ressemble énormément à Street Fighter 2. Et c'est quoi un doujin, un jeu de doujin? Je savais pas c'était quoi. C'est un jeu typiquement fait par quelqu'un au Japon. Puis c'est un jeu indépendant fait par une petite équipe. Fait que c'est si vous voulez, de petites personnes. Julien. Franchement. Mais non, on peut le dire. Il écoute pas, il comprend mais pas ce qu'on bref, dit. Ouais, c'est un jeu indépendant. Celui-là a été fait par un seul homme qui s'appelle Takase. C'est une petite équipe certaine. Une toute petite équipe d'une personne avec le logiciel 2D Fighting Fighter Maker. Dans le jeu, donc, si on rentre dans le vif du sujet, il y a 10 personnages qui sont donc principalement issus de la comédie musicale Les Misérables. Cossette! Avec chacun leur move spéciaux. Ils ont chacun leur move list. C'est quand même assez complet là, comme jeu. Par exemple, il y a Jean Valjean qui a son finisher. Là, c'est la croix de la culpabilité. On se rappelle dans le film, dans l'histoire, Jean Valjean, il se fait mettre en prison parce qu'il a volé une miche de pain pour nourrir sa famille. Puis là, il pogne comme 8 ans de prison. Puis là, il pogne des années de prison parce qu'il essaye de s'évader. Bref, c'est un peu ça la base là, des Misérables. Puis là, les gens sont fâchés de ça, puis ils se révoltent, évidemment. Les Misérables, c'est tous les gens de l'époque. Hein. C'est une époque profondément injuste. Tout le monde est misérable. Tout le monde est misérable, sauf les riches. Mais de différentes manières. Misérable. Oui, voilà. Et donc, Valjean, la croix de la culpabilité, son adversaire Javert a le move de la justice infinie. Sinon, il y a tous les autres personnages. La justice des dieux, de Dieu, puis la justice des hommes. Et ouais, c'est la justice qui est la plus forte là-dedans. Non, c'est pas niaiseux, c'est super beau. D'ailleurs, j'ai des extraits, Joe, si tu veux mettre, pendant que je vous parle des personnages et des moves, on va mettre. Qu'ils chantent pas. Visuellement, non, mais vous allez voir. Ça rend aussi loin que ça dans le jeu que ça parle de la justice des hommes. Mais pourquoi que c'est adapté de la comédie musicale, puis alors que ça parle rapport, c'est vraiment c'est juste adapté du roman. C'est la lubie d'un seul japonais. Hein. Fait que, tu sais, lui, il a spoté ça. Maintenant deux. Puis là, vous voyez, les moves, c'est quand même badass. Là. Les moves sont intenses. Vous allez voir, à un moment donné, il tombe dans les finishers, puis ça n'a aucun sens. Là. C'est des grosses prises. Il y a des moves qui enlèvent littéralement toute l'énergie d'une autre personne. Là. Ah. Fait que c'est un bizarre de jeu. On retrouve tous les personnages de la comédie musicale. Donc, Marius, Éponine, Cosette, Enjolras, Tatanellarien, puis une police. Il y a juste une police comme ça. Il n'y a pas 10 bonhommes.
Oui, mais c'est ça. Il y a d'autres personnages dont je vais vous parler plus tard. Et les paysages que vous voyez, c'est le bord de la Seine, des villages français, des collines françaises, des tunnels français. Tout ça est très français. Les égouts. Et si on tombe dans les fun facts du jeu, le jeu s'appelle Arm Joe. Et là, on se demande pourquoi ça s'appelle Arm Joe. Ça n'a pas vraiment rapport. Et c'est une traduction très phonétique de la version japonaise de Les Misérables. Au Japon, Les Misérables s'appelle Amujo. Amujo, qui est une expression qui montre l'exaspération face à toute la souffrance du monde. Fait que Amujo, lui, il a traduit ça littéralement pour Arm Joe, parce que ça sonnait ça badass, vaguement fighter, pareil. Ouais. Pis, fait que c'est une mauvaise traduction, donc. Ensuite, à la version 1.3, le jeu s'est amélioré. Ils ont rajouté des personnages, ils ont rajouté de la musique et du voice acting en français qui ont été faits par deux types qui s'appellent Chaz Seydou et un gars que le surnom est Tanguy. J'espère qu'ils chantent pas. Non, ils ont répondu à une annonce sur Internet. Je trouvais ça niaiseux. Ça aurait été beau qu'ils chantent quand même. Fait que dans le jeu, le son qu'on entend, c'est un hybride entre un japonais qui essaye de parler en français sans en être capable vraiment. Fait qu'il passe du japonais au français tout le temps et des français de France qui ont un accent parfait. Mais tout ça se mélange ensemble, ça donne un résultat vraiment. C'est très weird. Postmoderne. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est très postmoderne. C'est ça, le monde, la culture est fragmentée. Hein, voilà. Je vous parlais des personnages spéciaux. Il y a Robo Jean, fait qu'une version robotisée de Jean Valjean. Bon, ça c'est peut-être un peu niaiseux. Un peu niaiseux. Il y a un personnage qui s'appelle Pompon, qui est une lapine d'un univers parallèle qui ressemble vaguement à des personnages de Ren and Stimpy. Ah bon. Il y a le personnage, mon personnage préféré, qui s'appelle Judgment, le jugement. De loin, le plus fort personnage. Il y a comme parce que c'est la justice interprétée en un seul personnage. Exactement. Oui. Puis au début, les gens se plaignaient que le jeu était mal balancé, mais au final, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un symbole que le personnage qui s'appelle Judgment, il soit indestructible puis beaucoup trop fort pour la c'est ligue? Bon, c'est bon, ça. C'est fort, hein? Takase a dit lui-même, toujours dans les fun facts, j'ai mis 5 ans, il a mis 5 ans de sa vie sur ce jeu-là, puis après ça, il a fait quelques updates pour les 3 dernières années. Puis quelqu'un il a demandé, mais pourquoi t'as mis 5 ans sur un jeu comme ça? Puis il a dit, parce que je n'ai pas d'amis. Ah, que c'est une bonne source de motivation. Il est lui-même un misérable. Et voilà. Il y a surtout donc des mauvaises reviews parce que c'est mal balancé, mais ça a regagné ses lettres de noblesse plus tard quand les gens se sont mis à réfléchir au fait que, bon, premièrement, c'est clairement une parodie là, quand vous allez voir le jeu. Ben, robot Jean Valjean. Ouais, c'est ça. On comprend que c'est une parodie. Ben, c'est ça. Puis ces personnages-là sont arrivés en deuxième vague. Fait que je pense que ça a clarifié l'intention derrière ça. C'est ça. Après ça, on y a vu des symboles aussi. Ensuite, il y a. Parce que la vie est profondément injuste alors que le jeu soit mal balancé et représentatif. Bon, je pense qu'on a compris, Julien. Sur le site. Non, mais là, il nous les casse. Hein. Sur le site Something Awful, qui normalement review des mauvaises. Something Awful se spécialise dans la review de mauvais contenu, mais ils ont apprécié ce jeu-là. Eileen Raptor Red Stall a bien résumé le tout sur ce site-là en disant que le jeu est aussi débalancé que de se faire mettre en prison pour avoir volé une miche de pain. Ben voilà! Voilà, il est là le grand symbole. Ça fait aucun sens. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire la critique. Ridicule. Plus les jeux sont débalancés, plus sont terres. Ridicule. Sont bons. La critique qu'on trouve sur le site Something Awful, je vous conseille d'aller la lire. C'est bien le fun. C'est une critique bien le fun à lire. D'ailleurs, parlant de fun, est-ce que le jeu est le fun? Parce que oui, je l'ai testé. Parce que oui, il se trouve gratuitement sur Internet à plein d'endroits. Si vous tapez Arm Joe, vous allez trouver le jeu, vous le downloadez. Ça se joue seulement sur PC, non sur Mac, mais vous avez la possibilité de jouer à ça. C'est un petit jeu, ça se download rapidement. Donc, est-ce que c'est le fun? Oui, c'est le fun. Mais évidemment que c'est le fun. Mais c'est pas le fun longtemps, malheureusement. Ah, c'est ça. C'est pas super bien fait, fait qu'on se tanne rapidement, mais oui. Il y a quand même. Je pense que c'est plus le fun d'en parler. Puis c'est plus le fun. C'est l'idée plus ça, ben l'idée oui. que le jeu existe est plus le fun que le jeu c'est en ça, tant que tel. C'est ça. Mais c'est ça. Ça vaut la peine, ne serait-ce que pour l'audio aussi, des affaires en français mélangées avec du japonais, puis tout. Il y a de quoi de le fun, fait que si vous voulez passer un bon petit 15 minutes, là. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Donc, si vous avez des questions, comme ça, vous voulez qu'on fasse des sujets, vous pouvez choisir sur Patreon, 10$. Très rapidement, j'ai eu le privilège d'interviewer Paul Oud dans le cadre de On prend tous un micro récemment, puis j'avais quelque chose qui m'obsédait dans les boys, c'est que le personnage de Fern meurt au début de la saison 2 en tombant dans les égouts. Puis je trouvais qu'il était clairement super respectueux envers Paul Oud et ou son personnage. C'est genre, il est mort dans la marde, puis on l'a pas vu mourir, tu sais, ça par rapport. Fait que je l'ai questionné là-dessus. Puis il m'a dit, eh bien,
C'est un clin d'œil à Jean Valjean, qui a vécu la plupart de sa vie dans les égouts. Alors, c'était bien sûr un clin d'œil à Victor Hugo, qui est mon personnage de Fern. Ben, c'est clairement pas ça. C'est clairement de la politesse de sa part qui a dit ça, mais quand même... Quel chic type, Monsieur Lude. Ben, exactement comme vous pensez, qui? Exactement. Il est merveilleux. Alors voilà, c'était décidé. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Guillaume. Merci, Sébastien. Merci, Mathieu. pour les Patreons, on continue avec Toujours Vivant. OK, bye! Bye-bye! Bye! Ouais, c'est quoi la prochaine? Plus de rôles, plus les capables, plus politique, plus rapide, de si et d'ailleurs. Humoristique, comme une famille à vous, interdit aux adultes. Une balado, fait de blé entier, maintenant roi des Darwin, face to face. Ha ha ha, loft.